Hello, hello tout le monde, c'est Laurine et Élise. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, comme vous pouvez vous en douter, puisque vous voyez ce qu'on va ouvrir. Aujourd'hui, on se retrouve avec Élise qui est chez moi pour ouvrir enfin le mini Deacon de Bangchan que j'ai enfin reçu, qui était depuis une éternité chez Luzna, mais qu'elle n'a pas pu m'emmener. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Avec Élise. Donc on va découvrir ce mini Deacon. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Les PC, si, forcément, parce que je les ai tellement vus passer qu'il n'y a plus aucune surprise, je pense. Mais j'ai hâte de découvrir tout le reste. Du coup, on va ouvrir déjà la première protection. Je l'avais pris en commande groupée. Je préfère préciser. Donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à arriver. Mais vous savez que moi, je m'en fous un peu. Et voilà la bête. J'aimerais bien faire Bangchan, mais c'est ce qu'on va avoir dedans globalement. Donc, puis on aura tout le monde, donc ce sera cool. Ouvrons. Oh oui, c'est vrai, c'est orange chez eux. Bangchan. Du coup. Je ne sais pas ce que c'est. En vrai, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ouvre ça maintenant ou... Non. Non ? Ok. Pas maman. ça non plus. Oh. Oh. On va le mettre dans l'intérieur. Elles sont dedans. T'inquiète. Oh. Est-ce que vous voyez bien là ? Ah oh, ouais. La version miniature du grand et énorme Deacon que j'ai. Je me souviens, j'avais galéré à l'ouvrir en unboxing. Et du coup, on va déjà regarder un petit peu ça, parce que c'est le photobook. Enfin, vous savez où on peut ranger les petites PC. Du coup, voilà, c'est pas la chose la plus intéressante. Il y a plein de petites pages pour mettre les PC. C'est particulier. Enfin, j'ai c'est pas. Sur les côtés, je pense. Ouais. Ok, j'ai pas l'habitude du tout, du coup. Ça a l'air petit. Ça me, enfin, tu sais, ça me semble petit de se comparer à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et vous avez un mignon petit Chani. Il est trop chou. Mon petit bébé, il est trop mignon. Je ne sais pas encore ce que je fais des PC. Ne me posez pas la question. Donc là, du coup, c'est les PC. On va découvrir ça après. On va s'occuper, du coup, du photobook. Alors, je crois que c'est la même chose que dans le grand. Il me semble, hein. Il me semble que c'est la même chose que dans le grand. Mais beaucoup mieux, du coup, parce que les photos sont un peu moins coupées. Oh oui, c'est la même chose que dans le grand. Non, quoique, j'ai un doute maintenant. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas ouvert. Bref, craquons sur Bangchan, de toute façon. Hein. Ça, ça changera pas, vu ou pas vu. Bangchan, notre... Comment ça s'appelle? Je l'ai en anglais, mais pas lifeguard. Le sauveteur, là, le truc de la mer, quoi. Bref. Ce qui t'évite de te noyer. Voilà. Oh là là, oh là là. Merci. Oh là là, si beau. Regarde-le là. Non, ces photos me disent rien. Donc... Il y a un truc que je vois là, mais je me tairai. Pensez à vous. Très beau de profil en tout cas. Oh. Ah oui, il y en a beaucoup. Oh, il est trop chou sur celle-là. Ah, il est trop mignon. Oh, il est trop beau. J'aime trop celle-là avec la clepsydre. Oh, c'est trop beau. Élise. I know, you know, Lino. Élise est une Minostan, pour celles qui ne savaient pas encore, hein, même si vous pouviez vous en douter avec la digi de la dernière fois de Lino. J'aime trop son pull. Il est trop classe. Il est simple, tu vois, mais avec plein de couleurs et tout, j'aime trop. Il est trop beau.
ma petite coconut. Elle a la coupe coconut. Oh. Elle a des beaux yeux. Pas Juno. Juno. Lilo. Oh, avec le petit chapeau. C'est un béret nouveau. Il est fan de béret, lui. La France. Oh. Celle-là, elle est belle. Je l'ai en grande dans le grand, tu sais. Elle y est, celle-là. Il est trop beau. Il n'y en a pas fait beaucoup avec le béret, j'ai l'impression. Ouf. C'est pour nous deux. Changbin. Oh. Trop, trop beau. J'aime bien son outfit aussi à lui. Non. Il se regarde là. Oh là là. Regarde mal. Oh, il a des beaux yeux lui aussi. J'aime bien son petit pull, ça lui donne un petit côté soft et tout. Elle est trop belle celle-là. Ce petit visage tout rond, tout mignon. Oh, on a vu la même. Oh, celle-là elle est belle aussi. En grande elle doit être trop belle. Il pose un peu et tout. Ouh! Yanjin! Bias Breaker de Elise. Breaker, breaker. Et moi, c'est mon vrai cœur aussi, un petit peu ces derniers temps. Breaker, breaker. C'est, voilà, moi c'est mon vrai cœur, vrai cœur. Moi aussi? Même, attends, quoique. Non, c'est le vrai cœur, vrai cœur, vrai cœur. Puisque mon Bias Breaker, attends, c'est Félix. Lino, Félix, Yunjin ou Changbin. Un des deux. Ben moi c'est Chan, Félix, Changbin. Et Yanjin est juste après, tu vois. Bref. Des bâtons, des bâtons. Ah oui, c'est avec son pull en peau de vache, là. Si c'était pas Yanjin. Mais Yanjin, il rend ça beau. Oh, ce regard, monsieur. Il a des belles mains aussi. Ah, j'ai un skip. Ouh. Elle est belle, celle-là. Bon, après, son pantalon, j'étais pas fan parce qu'on dirait... Un sac poubelle. Voilà. C'est la texture un peu sac poubelle. Mais sinon, il est très très beau. Ah, oh, il y avait encore Yunjin, cheveux longs, là. Très très beau. Ça lui allait bien, quand même, les cheveux longs, noirs, comme ça. Dieu, comme il est chou, là. Je vais me faire un petit selfie. Oh. Ouh. Han. C'est pour Kim. C'est pour Kim. Et Gaël. Oh. J'aime bien sa coupe. J'aime bien le petit truc aussi, là où il est assis. J'ai pas les mots aujourd'hui. Mon cerveau ne fonctionne plus. Mais la vie de Chan, de toute façon, il s'est mis en pause. Oh, il est trop beau là-dessus. Avec son petit regard tout mignon. Là, il fait la sieste. Oh, il est trop beau son pull aussi. C'est la Fashion Week. Tu parles des vêtements plus que des idoles. Oh, elle est belle celle-là. Oh, Félix. Oui, c'est aussi ton vrai cœur, vrai cœur, vrai cœur. Félix. Ah oui, c'est vrai. Avec son short. Mais ses belles jambes là. J'aime trop. Ça lui va trop bien, les chaussettes montantes comme ça là. Mais le short, je suis pas fan. Ça doit pas être très confortable en fait à porter. Genre, ça doit serrer de ouf et faire du bruit, tu sais. Et le pull, il doit pas être facile à porter non plus, parce qu'il y a tellement de trucs qui dépassent. Waouh, il est trop beau là-dessus. Ouah, ces petites freckles. Mais timide, hein. Et tu vois qu'ils ont quand même un peu maquillé au-dessus. Mais bon, c'est mieux que de ne pas les voir du tout. Oh là là. On dirait presque une jupe, là. C'est les jupes droites. De secrétaire. Félix, la secrétaire. Oh, il est trop chou là-dessus. Oh, il est trop mignon. Ouh. Sungmin. Quoi? C'est Sungmin. Bon, j'aime pas son pull. Ça fait vieux. Mais... C'est Sungmin. Il rend sa classe. Waouh. J'aime bien les photos en grande comme ça. Il y en a aussi dans l'autre, mais c'est un peu plus galère à les voir, du coup. Il est beau.
Oh, il est trop chou là-dessus. On dirait qu'il réfléchit. C'est trop mignon. Et il est meilleur pour la fin. Lui, il avait une belle tenue. J'aime trop les petites bottes. Ça lui donne un air un peu pirate. Tu sais à quoi ça me fait penser comme tenue? On dirait une tenue que San pourrait porter dans les 80s. Bon, un peu plus ouverte. San, lui, il aime bien porter des trucs plus ouverts que ça. Mais genre, ça fait une petite tenue pirate, c'est trop mignon. Plus avec le collier, la chaîne, ça fait l'effet pirate. Oh là là. Et trop beau ce Macné on top. Faut pas faire des choses comme ça. Faut pas. Oh. Oh, le petit smile. Oh, le petit pout-pout. Là aussi, il fait bien pout-pout. Il est trop chou. Oh. Oh, les photos ne sont pas coupées sur celle-là. C'est incroyable. Parce que sur le grand, t'as toujours une grosse coupure là et tu vois pas la moitié. Genre, oh, regarde le sourire de Chan. Oh. Il est tout petit. Il est trop mignon. Après, Félix, il abuse un peu aussi, tu vois, les plateformes, mais il fait tout petit, du coup, au milieu, c'est trop chou. Oh, c'est déjà fini. Oh, encore une. Ah. Oh. Regarde comme il regarde, mais là. Très mal. Non, mais baissez le regard, hein, monsieur. Regardez un peu mieux, quand même. Hein. Bon, chose sérieuse arrive. Je sais toujours pas ce que c'est, ça. Oh. Oh, so satisfying. Oh, commence bien en plus avec Chani. Oh, elles sont attachées. Wait, comment on fait? Oh, c'est risqué. Hein. Bon, on va commencer avec celui-là que j'ai réussi à extirper. Du coup, nous avons. Oh, elles sont un peu abîmées du coup. Elles sont un peu abîmées du coup, celles-là, là, sur le devant. J'espère que Chan n'y est pas abîmée. Mais parce que ça frotte. Derrière, on a. Ouais. Derrière, vous n'avez rien de spécial. Du coup, Han, bon, celle-là, elle l'a pas. Celle-là, elle est bien. Celle-là aussi, elle est jolie. Oh, elle est trop chou. Oh, il est trop mignon. Il y en a combien par membre en vrai? Oh, celle-là est belle. Elle est trop belle. Du coup, elle a soit des fonds bleus, soit des fonds orange. Oh. Il est tout chaud. Ah, oh, le fond bleu, là. Rose, pardon. Mais j'ai vu le bleu. Oh là, mon téléphone est en PLS. Trop drôle. Elle est trop drôle, celle-là. Oh. Oh, bah oui, forcément, après Han, c'est Félix. Oh. Elle est toute fine, celle-là. Oh. Du coup, on a toutes les mêmes photocards. C'est juste la couverture qui change, quoi, et le photobook. Enfin, la photobook. Et le dernier truc. Ah, ok. Mmh. J'en avais deux. Petit lutin. Il est trop chou. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh là là, le regard. Trop beau. Il est trop chou. Oh, petit bébé. Oh. Le maquillage, il ressort bien, là. Waouh. Petit lutin. Oh. Elle est trop belle. Qui suit. Oui, oui. Oui, oui. Waouh. Trop beau. En vrai, c'est dur, hein. Waouh. Il est trop beau. Trop chaud. Pourquoi on dirait moi après ça que mon téléphone fait de la merde. Il a chaud. Trop mieux. Bon. Waouh. Il y en a beaucoup hein, par membre en vrai. Ça vaut le coup. Il prend pas bien en compte. Il est trop chou.
Avec son petit... Kim Sang-nam. Bon, ça change pas derrière. Et du coup, c'est des photos aussi qu'on a dans le photobook. En photocard. C'est là, en photocard. C'est le dérivé de photocard. C'est des photocards. C'est la carte de tes photos. Oh. Elle est belle, celle-là. Ça, elle est trop chou aussi. Ah, la deuxième derrière. Elle est trop chou. Oh. Trop mignon. Oh, il y a le signe de pitié juste là. Il est trop chou. Toujours la même pose. Ouais, mais non, mais ils ont tous leur pose signature. Hein. Juste après, t'as la même. Oh, un petit cœur. Avec un petit pout-pout. Oh, la petite fleur. Ça nous mine la fleur. Attention, Ayen. Oh. C'est haut pour la prochaine. Pour les petits smiles. Oh, il y a la pout-pout. Il y a la pout-pout. Oh, il est trop chou. Oh non, elle est trop belle, ça va. C'est horrible. Oh. Son petit maquillage. Oh là là. Regarde. Avec du rose et du violet derrière. Pour nous parler à toutes les deux, tu vois. Waouh. Elle est trop belle, celle-là. J'aime trop. Il fait pout-pout. Oh, celle-là aussi, elle est trop chou. Winke winke. Un peu moins chaud. Ça va aller. Oh. Tout blond. Blondinet. Il fait des petits cœurs. Lui, il fait souvent ça aussi. Oh, on dirait une photo de classe. Il est tout chaud. Après, il y a une photo de gros. Celle-là, je l'ai déjà eu dans le grand. Elle est trop belle. Oh, regarde-chan. Oh, mon cœur. Il est en train d'exploser. Ce sourire. Oh, ce sourire. C'est mignon. Toujours. Anne, il est tout mignon, tout petit. Je vais m'accoster. Je suis là. Faites une photo avec moi. Oh! Trop beau. Avec le petit truc sous les yeux, là. Comme toi hier. Ou avant-hier, pardon. Oh! C'est la tête de Yunjin, t'as si j'aime pas rire. Oh, ils sont trop chauds! Trop chaud pour cette première. McNeline, passons au. C'est parti! Ouf! Chani. Il est trop beau. Oh, est-ce qu'il y a des trucs mignons là? Oh, il est trop beau. Ma petite clémentine. On a chacune sa clémentine. Oh, il est beau dessus. Ce n'est plus un secret. Ah bon? Waouh! Celle qui vient après là, elle est trop belle. Oh, la prochaine aussi. Oh, il est trop beau. Oh, oh là là. C'est de pire en pire. Oh my god. Oh, j'aime trop sa petite peau miel, là. Oh là 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 là. Le regard. Le regard. Regarde-moi ça. La bonté incarnée. Pff, comment vous voulez qu'on reste... Oh. Oh. La fameuse pose Chani. Il est trop beau, ça. Oh, avec les dimples. Je la perds. C'est dur. Tu perds à chaque fois qu'il s'agit de Chan. Oh non, il est... Oh, tu es les faux joues. Au secours. Ce sourire.
C'est pour me tuer. Mais c'est pour me tuer quand on sourit comme ça, c'est pas possible. Oh, vivement qu'on passe à Lino parce que là, ouais, je. Ouf. Allez, c'est ton tour. Regarde celle-là, comme elle est belle. Oh, le regard. Oh. Ça, ça veut dire tais-toi, je sais que je suis beau. Oh. T'as vu, il y a le même maquillage que toi, il y a des petits trucs en dessous. Celle-là qui vient, là, elle est belle, là. Regarde-le. Oh. Il est beau, hein. Oh. Oh. C'est un beau Lino, ça. Il a plus le béret sur les photocards, du coup. Elle est trop belle, celle-là. Je suis en train de perdre Elise, hein, mais elle est un peu moins expressive que moi en vidéo. Hein. Forcément. Il y a lui derrière. Photo avec moi-même. Mais c'est Lino, ça. Trop fan. Je suis fan de moi. Oh. Oh. Il fait les trucs de Tenderus. T'as pas compris le concept, je crois. Oh, il est trop chou. Avec ses petites joues là. Squish, squish. Oh. T'as vu celle-là qui vient là? Regarde comme il est beau. Oh. Elle est magnifique. Oh là là. Ouh là là. Un peu plus près. Encore plus près. Bientôt on aura son nez. Oh, il est chou. Oh là là. Eh, mais Changbin, faut arrêter d'être mignon. Oh là là. Il est trop mignon. Avec ses petits yeux et tout. Il a des grands yeux bien ronds. J'aime trop. Il est trop mignon. Oh, un petit cœur. Oh, elle est trop forte, la prochaine. Hey. Moi, c'est Changbin. Je suis... Là, je suis Changbin. Mon cutie Changbin. C'est au tour de Yenji. Oh là là. Oh non, il est trop chou. J'aime vraiment trop cette coupe de cheveux sur lui. En fait. Mm-hmm. Ça y va vraiment trop bien. Il a aussi des beaux yeux. Mais... un truc avec les yeux. Elle est belle celle-là. Mm-hmm. Oh, celle-là aussi. Toute soft. Oh, le petit cowboy. C'est ce que je dis. Hein. Son pull en peau de vache. Oh là là. Celle-là, elle est trop belle. Eh, mais je vais jamais m'en débarrasser en fait hein, des cartes. Je crois que je vais toutes les mettre là-dedans. Oui. Ça sera très satisfaisant. Oh, oui. C'est... Cette coupe était trop belle. Incroyable. La couleur aussi, ça lui va bien. Mm-hmm. Mais je préfère ça. Il est plus mignon. Oui, oui. On a des photos en rame, pourquoi ? Ah non, c'est... Ah, c'est la suite. Ah, bah du coup, vous aurez du rap de Han Chisan. Oh là là. Le petit rab. Oh, elle est trop belle celle-là. Avec ses petites dents. Trop chou. Oh, il était beau le rab. Je vais le mettre avec Han Chisan. Plus intéressant. C'est le plus intéressant quand même. Tu m'intrigues là. Mmh. Ça se déchire. J'ai pas peur. Bah si, j'ai peur. Je trompe. Vas-y. C'est dans le bon sens là ? Ouais, vas-y. Oh, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Girafe de Chan ! Elle est plus pixelisée du coup, comme c'est sur une matière un peu PVC. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est très, très épais. C'est vraiment comme les Lucky Draw. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah, c'est une lentille.
sais pas si vous allez le voir, l'effet, mais son regard vous suit, peu importe où est-ce que vous allez. Oh mon dieu! Ah, c'est refait. Waouh, oh, j'aime trop. Cet unboxing était incroyable. Maintenant, il va falloir que je le range. Mais je pense que je vais le faire en short, ça, pour vous. On va faire un petit short, peut-être, pour le ranger. Donc voilà, c'est tout pour cette petite unboxing. Je sais pas si c'est le terme, parce qu'en vrai, il était très très gros. Parce que ça a pris quand même pas mal de temps. Je vais vous enlever tous les trucs qu'on s'en fout un peu, pour que je vous revoyez la beauté de la chose. On va faire ça comme ça. Vous voyez juste un peu les yeux de Chan. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'était tout pour ce petit unboxing qui était, ma foi, très long, je pense. Avec Élise, qui est toujours là. Hein, je vous rassure, elle est toujours là, elle n'est pas partie. Même si elle a vu Lino. C'était vraiment fort intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais le voir et je suis pas du tout déçue. Franchement, je trouve que même il vaut plus le coup que le grand. Il y a juste 5 PC dans le grand. Exclusif, quoi. Enfin, Tatiane et une groupe. Et en vrai, tu retrouves la groupe ici. Et t'as quand même pas mal de PC de ton bias et t'as tout le monde, quoi. Et il est moins cher. Et il est moins grand aussi. Pour ranger, c'est plus simple. En plus, vous avez de quoi ranger vos PC. Donc ça, vraiment, si vous voulez tous les garder, et ben, je trouve que c'est cool qu'on ait le petit binder tout de suite avec. Au moins, on peut les ranger et ne pas se casser la tête à avoir un autre binder pour juste ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. T'en as pensé quoi, toi? Tu aimes bien? Je veux. Tu veux? Tu veux Lino? Lino, de préférence. Mais non, franchement, il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Très satisfaite de mon achat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le like, c'est important. Ajoutez aussi en commentaire ce que vous avez pensé, eh bien, de ce petit photobook. Est-ce que c'est un achat que vous trouvez intéressant, par exemple, puisqu'on a tous les membres, donc on peut avoir notre bias sans souci. Et en plus, on pouvait choisir la couverture et tout, et le photobook de son bias. Moi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et en plus, vous avez des petits cadeaux avec votre bias, toujours, qui sont vraiment sympas. Vraiment, la lentille, là, elle est magnifique. Pas du tout déçu, et pas du tout déçu de ne pas savoir du coup qu'il y avait ça, parce que au moins tu vois, j'ai eu vraiment la surprise, donc vraiment très contente. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, on est bientôt aux 600 au moment où on tourne, donc vraiment abonnez-vous, ça peut être super cool si on est les 600 avant la fin du mois. Et voilà, moi je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Il y aura bien entendu un petit accéléré de cet unboxing sur TikTok comme d'habitude, et puis eh ben, je poste plein de choses, des fois je fais des petites conneries et tout, c'est très marrant de me suivre sur TikTok. Et bien entendu, je vous recommande comme d'habitude de me suivre sur Instagram, puisque c'est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous en story, en post, etc, etc. Et il y a ma petite boutique de fanmade sur Instagram, et il y a un projet qui se prépare actuellement. Peut-être qu'il est déjà sorti au moment où cette vidéo sortira, donc n'hésitez pas à aller checker cette petite boutique fanmade. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée sur l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde! Been on my way since day one. I wait every day since summer. But the only thing I'm missing, only thing regretting is losing.